Le passage du cyclone Idai a entraîné des dommages considérables au Mozambique. Les ONG internationales continuent de s'activer pour apporter davantage d'aide humanitaire aux sinistrés. Les Nations Unies sont aussi dans la course en renforçant leur aide aux Mozambicains. Plus d'une semaine après la catastrophe, le Mozambique est en état d'urgence. Le défi logistique est immense en raison de l'accès difficile aux zones touchées par le cyclone. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU mène des opérations aériennes, terrestres et maritimes dans le pays. Nous faisons tout ce que nous pouvons en ce moment pour aider le gouvernement. Les sinistrés ont besoin de notre aide. Nous avons maintenant un grand nombre d'actifs dans le pays et d'autres sont sur le point d'arriver. Nous pilotons des hélicoptères, nous faisons des opérations routières et maritimes pour atteindre les gens que nous avons besoin d'atteindre. Vendredi, le Programme alimentaire mondial a indiqué que la catastrophe humanitaire au Mozambique était comparable à la situation au Yémen et en Syrie, tous deux en proie à des guerres civiles.